l'époque du Wu-Tang, Zino Tocola. Zino Tocola. Oh putain. Ouais, en fait, c'est juste que demain, il y a un autre jour, quoi. Demain, il y a un autre jour. Merci beaucoup à vous d'être là, j'espère que vous vous régalez autant que moi. Moi, je me régale. Putain, je me régale. Je suis trop là, je suis content, je suis vraiment en forme, là. Genre là, j'ai pas du tout la fatigue, j'ai pas du tout le... Que là, du coup, ça fait combien de temps? Ça fait 5 heures que je caste solo. Et je suis dans un... Je vais me prendre... J'ai un... Putain, j'ai un Schweppes. En plus, j'ai un Schweppes dans mon frigo. J'arrive. Je vais me prendre un peu de sucre. Un peu me Schweppes dans mon frigo, là. Un petit Schweppes. Étoile va stream jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la fin, jusqu'à 4h du match, je pense. À 4h du mat et demain ça reprend à... Demain le tournoi reprend à 18h. Demain le tournoi reprend à 18h. Et en plus vous savez c'est quoi la dinguerie? La dinguerie c'est que j'ai une pizza dans mon frigo en plus. Ah, dans mon congèle. Ça c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Allez. Est-ce qu'on a... Alors moi j'aime trop Cola. Cola qui est joueur sponsorisé par Moist, du coup par un streamer. C'est une... Moist Critical, donc c'est une structure de streamer qui est bien installée dans Smash, puisqu'il y a Cola, il y a Aaron et il y a Goblin. Et Cola qui est un joueur qui fait des résultats de fou en vrai, qui fait des résultats de fou, qui a eu un peu une période difficile, un peu inconstante, mais qui a des grosses wins et qui a une win récente sur Spargo, avant la pause de Spargo, donc le bug est fort. Le bug est fort, et Zinoto, joueur à l'ancienne, joueur qui avait perdu contre Raflo au glitch, et joueur qui montre. Mais Cola qui est le meilleur Roy du monde. Roy qui est mon petit plaisir en ce moment. En ce moment j'aime beaucoup jouer Roy. C'est le perso que je préfère seconde. Il est trop cool à jouer. Oh attends mais il joue... Il trick avec la banane. Il est trop fort. Bah, attends mais il joue Didi. Ça met une Didi Cola ou... Et gros il joue trop bien. Il a envoyé la banane, rattrapé la banane, envoyé la banane, rattrapé la banane, upper. Par contre Zinoto. Oh Zinoto. Zinoto. Up smash de fou. Up smash frame 4. Ça tue pas, ça tue pas, ça tue pas. Ça tue pas, love throw. Non mais gros, il est trop fort avec la banane. Il fait des Z cash de zinzin. Ça tue. Oh. Gros, c'est tellement serré. C'est tellement serré. C'est une dinguerie. Il joue contre qui Attends, mais il y a Raflo qui joue encore. Attends, quoi? Qu'est-ce qui branle? Attends, il joue Samus? Raflo counterpick Samus? Ok, il counterpick Samus contre Mario. Ok, parce qu'il n'aime pas Mario Palu? Ok. Est-ce qu'il n'aime pas pour le... Bah écoute, s'il le fait, c'est qu'il a une raison, hein. Oh oui! Le G-strap? Il meurt pas, hein. Vous savez qu'il meurt pas, hein. C'est contre Sam T. Silver. Ok, c'est contre un joueur qui, du coup, a upset Mars. C'est le joueur qui a battu Mars. Ok, donc c'est un mec qui joue au jeu, quoi. Ok, je suis pas hyper fan, en vrai, du pick Samus contre Mario. Je trouve que Mario, avec le réflecteur, a les outils contre. Mais je pense que c'est un test game 1, tu vois. Je pense qu'il se dit, Raflo, il faut que je teste. Et attends, mais en vrai, ça se passe pas si mal, hein. Ça se passe clairement pas si mal, hein. Pour l'instant, on n'a pas trop d'erreurs, hein. Et regarde, il comeback, hein. Il récupère le lead. Attends. Mais attends, mais il nous sort en top 32 d'un Major US. C'est quoi ce joueur, frère? Mais c'est Siski.
Mais c'est Siski. Mais... mais c'est l'Espagne. C'est pas la capitale, c'est l'Espagne bébé. Il est trop fort, hein. Il est vraiment trop fort. Allez, faut se calmer contre Mario. Mario, ça dégoûte un peu parce que c'est un perso qui peut vraiment bien camper aussi avec les boules de feu. Mais bon, Samus aussi, ça campe, hein, clairement. Ok, incroyable encore. Non, mais attends. Mais attends, mais Raflo. Mais Raflo. C'est quoi cette Samus, mon ref? C'est quoi cette Samus? Après, c'est vrai qu'à force de jouer 9087 fois contre Siski, commence à connaître le perso, quoi. Ok, Down Smash, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est une bonne option. On claque son deuxième saut. Back air. On fait encore des baits. On fait encore des baits. Non mais crow. Mais crow. Mais c'est quoi ce mec? C'est qui ce mec? Ah mais Raflo. Ah non mais c'est qui ce mec? C'est pas waouh mais... il joue trop bien. Il joue trop bien. En fait le truc c'est que... même les stocks... enfin dites-vous qu'il avait pas le lead. Et quand t'as un perso un peu zoneur, un peu projectile comme Samus, quand le perso doit approcher à 100% c'est dur tu vois. Et il avait pas le lead. Et en fait j'ai l'impression que son adversaire c'est trop un client contre Samus. Parce que faut avoir de l'XP contre Samus hein. Genre c'est un perso qui demande de l'XP. Genre si t'as jamais joué contre Samus c'est bizarre la première fois que tu joues contre. Du coup je pense que... et en fait c'est trop bien ce genre de set parce que ça va donner confiance à Raflouance à Samus. Ok fair. C'est le bracket les amis hein. C'est le bracket hein. En fait oui, en fait il joue beaucoup Samus en ce moment en weekly. Mais tu vois c'est des weekly quoi. C'est un petit tournoi, c'est des petites weekly et... et là on est quand même à l'un des plus gros tournois de l'année quoi. Il joue trop bien. Jab jab, incroyable jab jab après le charge shot. On va pas se faire punir direct. Dash attaque, ouais. Incroyable. 1-0 pour Raflo pour l'instant. Non mais franchement Raflo fait un tournoi pour l'instant. J'arrive vraiment pas à trouver un problème à son... mais gros, mais Joël il a dit allez dehors, retourne voir Peach à Mario. Gros Joël il a 40 ans frère, c'est un... il pourrait avoir 3 enfants gros. Il pourrait avoir 3 enfants, il dit à Mario retourne voir Peach. Putain, c'est... tu te rends compte? Moi ça me fait trop rire, je vous jure vraiment. En fait les Américains ils doivent péter un plomb de Joël. Ils voient un mec balèze, 2 mètres, 150 kilos, avec un habit en mode Uchiwa derrière Raflo. Ils doivent se dire qu'il fait full insulte ou qu'il est trop dangereux. Et gros il lâche que des vannes sur Pokémon. Il lâche que des trucs de respect en mode dites à son adversaire qu'il a bien joué et tout. Et gros les Américains ils doivent trop être en mode ouais ce mec il doit faire que insulter. C'est vraiment ça me régale. Mais bon il faut que je fasse quoi? Il faut que je me mette une table dans le cul pour que Raflo soit dans le stream officiel ou... genre il faut que je fasse quoi? Parce que bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi? Parce qu'au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup là. Il est en train de le 3 stock avec Samus hein. En train de le 3 stock avec Samus. Ok petit footstool, bien vu. Footstool. Non mais c'est une dinguerie par contre hein. C'est une dinguerie à quel point Raflo joue bien. Et je vous remercie de fou hein. Je vous remercie de fou de votre présence. On est plus de 12 000 pour un comment dire, c'est même pas le dernier jour quoi, c'est même pas le top 32. Oh le combo. On est plus de 12 000. Et c'est un truc de fou. Alors que je suis solo en slip chez moi à cast mon jeu préféré. Donc c'est un véritable plaisir. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne l'avez pas fait auparavant pour savoir quand est-ce que reprendra le stream demain. Et on fait pas mal de trucs autour de Smash. Le jeu est trop bien. Et me plaît quoi. Ah c'est vrai qu'on regarde, on est 12 000 à regarder une qualité comme ça mais... on vibre. Oh mais gros, il est trop fort. 2-0. Il est trop fort.
Je suis encore... En fait, je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux de pourquoi il prend Samus, tu vois. Ça marche trop bien. Il est trop fort. Mais pourquoi ce match-up? Ah, mais putain, je suis con. Mais je suis con. Il a turbo joué Samus contre le Mario Dorion. Bah oui. Bah oui. Du coup, à 100%, oui. Passe-toi le José. Et aussi, ouais. C'est vrai que Palu contre les Rushdown, c'est chiant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Donc ouais. Hop les... Hop. Putain, Siski qui a perdu contre Tilde, quoi. Allez, upper. Upper. Là, il faut mettre de la pression. Jab. J'aime trop ce qu'il fait avec Jab 1. C'est un truc que je vois pas souvent Siski le faire. Et je trouve que c'est vraiment trop fort, le jab 1 de Samus. Ça t'ouvre trop de possibilités. Oh, mais Cross qui lui fait ! Non, 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 il a une famille, mec. Il a peut-être quelqu'un qui le regarde. Il a peut-être quelqu'un qui... Il lui fait. Oh, encore, encore. Dans Smash. Ça tue pas, ça tue pas, ça tue pas, mon ref. T'inquiète pas. C'est pas non de la tête, Raflo, t'es le meilleur. Ok, c'est très bien vu le B en prévention parce qu'il savait que s'il gardait le shit trop longtemps, il aurait eu un grab. L'adversaire de Raflo, ok, down tilt pas précis. Il s'attue pas, t'inquiète, c'est stay. Mais oui, mais oui, mais oui. T'inquiète pas. Voilà, B. S'attue pas, back throw stay à 130 et Samus, le perso est un peu lourd, donc... Ok, bonne tech. Ner, s'attue pas. Non mais attends, mais gros, ça mange trop à la cantine. Il y a tout dans cette Samus, hein. Ah ok, juste après on ira voir Peanut. Ah ouais, par contre Little Mac qui gagne contre Muté, c'est une dinguerie. Allez, on finit ce set. Et ce qui est fou, en fait, moi ce que je trouve aussi intéressant de la part de Raflo, c'est sa capacité à enchaîner les sets, là. Dites-vous que là, il a enchaîné Send, il a enchaîné Big Boss. Oh ! Ok, adversaire de Raflo qui s'est réveillé. Ok, très bon, très très bien vu ce qu'il a fait. Side B sur le charge shot. Oh, il l'a mangé. Il l'a mangé, mais bon. Oh, allez, le bon bait. Bait charge shot. Pas d'up tilt. Voilà. Il s'attendait à un up tilt. Le bon mix. Merci, Xyz. Faire attention, on attend. Putain, il est chaud, ce Mario. Hein. Putain, c'est fou qu'on connaisse pas un Mario qui fait top 32. Alors qu'il y a eu un upset à côté. Ok, sort spot, ça tue pas. Voilà, calme-le. Ok. Down tilt. Oh oui, les mouvements! Les petits pas de danse! Cheveux gominés. Mais c'est quoi le pseudo? NP, 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 Raflo, NP, 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 merci multi. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1 pour Raflo encore. Moi je pense qu'il doit garder. Je pense qu'il doit garder Samus. Il joue trop bien avec. Je pense vraiment qu'il doit garder Samus. Et pas tilt palu. Il y a 2-1. Moi pour moi il doit garder Samus. Tu joues un très bon football, il a dit. Tu joues un bon football, c'est bien. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut garder Samus. Et en fait, il faut vraiment garder Samus. Parce que dans une situation comme ça, tu sens qu'il joue bien, tu vois. Tu sens qu'il s'est pas fait outplay, c'était un peu un fait de jeu. Genre, il joue bien, quoi. Allez, continuez. Faut continuer, hein. Pour continuer du côté de Raflo, mettre un peu... Alors que Joël vient de dire à Raflo, gagne vite, j'ai plus beaucoup de batterie. Il est en top 32 d'un major. Ça va bien. Allez, hein, il s'adapte très bien, l'adversaire de Raflo, là. Allez, faut pas paniquer.
Pour rappel, hein, il a gagné 2 fois 3-2, il a gagné 3-2 contre Sen, il a gagné 3-2 contre Big Boss. Les Game 5, ça lui fait pas peur. Faut pas se dire que c'est... Voilà, oh les bons baits encore. Il a trop de sauce hein, avec Samus. Hein. Voilà! Elle trappe de fou! Dommage, il y avait un bait qui était parti. On n'a pas eu le temps. Oh non mais encore! Il est trop fort son mate. Enfin son adversaire. Il la footstool gros. Il la footstool son adversaire. C'est qui ce Mario? C'est 85 le boug. Allez. Un forward air. Ouais, il a trop bien joué. Upper. Oh, le fer qui aurait pu mettre dans la tombe. Oh, c'était tellement à rien la spot dodge. Sans ça, il était shibreak. Ça enchaîne jusqu'à la finale. Non, ça s'arrête au top 32. Et on reprend demain à 18h. Oh, la dash attack. Ok. En fait, demain, ce qui va se passer, c'est top 32. Pause de 4h avec le top 8 de mêlée. Je reprends le live top 8. Parce qu'en fait, ils aiment trop mettre le top 8 de mêlée avant le top 8 d'ultimate. Ils aiment trop ça. Allez, ça se fait. Ça se fait là. Hein. C'est que ça le fait. Oh oui! Il a bait la cape! Il a bait la cape! Jure, tu casses mêlée. Non, je casterai pas mêlée. Je caste pas mêlée. En fait, je connais pas le jeu, donc. J'aime bien regarder et tout, mais je connais pas assez le jeu pour cast. Et je préfère prendre une pause et caste tout, quoi. B. Allez, ça se fait. Oh, ça se fait. Raflo qui est... Il y a 2-1 pour Raflo. Il y a les ressources. Hein. Il y a les ressources. En plus, je pense que Raflo, là, il y a beaucoup d'Américains qui tirent derrière. Pas que ça monte dans sa tête. Ouais, il tente un peu des trucs bizarres. Ok. Ok, 2-2. 2-2. C'est bien adapté, hein. Franchement, le joueur en face, trop fort. Trop fort, le Mario. Trop fort, Sensei Silver. Allez, il y a 2-2. Allez, faut respirer. C'est peut-être une palue, hein. C'est peut-être une palue en mode, il a pas le temps de s'adapter. Oh, c'est pas lu. Small BF, c'est pas lu. Ouais. C'est oui, logique. Allez. Voilà, c'est ça, c'est un bon conseil de jeu, ça par contre. C'est vraiment un bon conseil. Encore une game 5, hein. Putain, mais là, il doit être fatigué, Raflo. Il doit être fatigué, il a fait game 5 send, il a fait game 5 big boss. Il a fait un 7 contre Dabuz. Et là, on est encore sur une game 5. C'est très fort de counterpick, les amis. Hein. En fait, counterpick, c'est vraiment très fort. Parce que du coup, il a pas le temps de s'adapter, l'adversaire. Et en vrai, Raflo est meilleur avec Palu qu'avec Samus. Donc même si le match-up le saoule... Allez, c'est son perso. Oh, allez, 53%, ça c'est Dieu qui donne. Dommage, c'était un... Allez, pas d'énervement, ça arrive. C'est frustrant quand tu rates. Et ça, c'est des bons baits. Oh, c'était tellement propre. Oh, la dinguerie qu'il lui a fait. Oh, c'était grave ce qu'il lui a fait par contre. Il a attendu la downer, c'était trop grave. Ah, en fait, on entend avec le délai. Attends. En fait, il y a un délai de genre... Il y a un délai de 15 secondes. Du coup, c'est bizarre, mais bon. Allez, il est pas mort. Je vais enlever un peu le son parce qu'en vrai, il y a un décalage de 15 secondes. Du coup, c'est trop déroutant. On se fait spoil par le son. Allez, ça se fait. Il est toujours pas mort. Hein. Il est toujours pas mort. Oh, ça tue! Non! Oh, il va s'en vouloir. Ok, on se reconcentre. Ça se fait. Allez. Alors qu'on a entendu un super de Joel avec 10 secondes de décalage. Oh, ça tue. Voilà. Oh, comment il tremble. Joel.
Joël, comment il tremble? Il est dans un état, frère. Joël, il est en... Il est en un... Ok. Non, il était mort. Pitié. Non, non, il y aurait trop de regrets. T'as pas le droit. Raflo, t'as pas le droit. T'es une légende. T'es une légende, tu le sais. Allez, pas de regret. Notre alerte. Pas de regret, il est plus fort, il est vrai. En vrai, il est trop fort. Il l'éteint avec eux. Oh, let's go. Oui. Il est trop fort aujourd'hui, frère. Il est trop fort. Il y avait tellement d'Américains derrière lui. Allez, go. Tu joues ballon. Tu vois. Tu peux perf aux États-Unis. Oh, Pep Guardiola. Tu peux perf aux États-Unis. Voilà. T'es pas l'un des meilleurs joueurs de France pour rien. Trop fort. Quel set. Oh. C'est vraiment un set de fou. C'est incroyable. Oh, mesdames et messieurs, mon lotier héros, Peanut, joueur de Little Mac, oui. Oui, le perso nul. Oui, le perso nul. Le perso à chier. Peanut qui joue contre Mutase. La meilleure pitch du monde actuellement. Si on se dit que Samsora est en 11. Mais ouais. Peanut entre 2-3 BO en Corée sur League of Legends, décide de jouer Little Mac. Très grand respect à lui. Attends, mais du coup, Raflo. Attends, je regarde juste la braquette de Raflo. Putain, je suis fier pour ce gamin, quelle légende. Et du coup, Raflo qui est qualifié. C'est bon, il jouera demain. Raflo est qualifié. Il est qualifié en top 32, loser side. Incroyable. Et il affrontera peut-être élégante au MG. Mesdames et messieurs, si Raflo bat élégante demain, il affronte Twig. OMG. Oh putain. Oh l'histoire. Oh par contre le KO qu'il lui a mis. Par contre vous avez vu Little Mac hein. Little Mac c'est un perso de merde hein. C'est trop nul et pourtant. Il peut le faire marcher. Des nouvelles de Gluto. Bah Gluto a toujours pas perdu une game. Oh non, non, Little Mac, c'est nul! C'est ça le problème du perso! Non, Twig est pas en loser, mais d'après le Projected, Twig est censé perdre. En fait, c'est d'après le Projected, quoi. Twig est en winner, mais d'après le Projected, il est censé perdre. Contre Meister. Demain, normalement, Twig affronte Meister, et soit il perd, et c'est Twig, soit c'est Meister. Nécro, il a trop de sauce son Little Mac. Petit, on attend. Attends, il a panique Erdoge. Ok. J'aurai à punir. B. Ça doit être trop dur le match. Oh, le match pour Little Mac, ça doit être un enfer. J'ose même pas imaginer. Ok? Alors peut-être. C'est even, hein? Alors peut-être. Imagine. Oh, le vilain down tilt. Oh, il va le camper pendant un siècle, Mutase.
Il va rester bien dans les airs parce que du coup le KO punch ça fait moins de dégâts quand t'es dans les airs, mais... Ok, up B, out of shield. Oh ok, il l'a pu. Ok. Mais les déplacements de ce Little Mac. Ok, down tilt side B. Non mais il est trop fort, je crois, mais comment... Mais il a une 2 chevaux, il la pousse à 340. T'es mal à caisse. Bro, il a une Clio 2, c'est une vidéo de Villebrequin. C'est une vidéo de Villebrequin, ce mec. Ok, dash attack, ça va être dur. Ça va être dur. Oh, ça tue pas. C'est mais le perso est nul. Le perso est nul. Ça dégoûte. I mean, Peanut put on a show for all of us, but Mute is unperturbed by that last minute pressure situation. Got KO punched in game one, and then never again. Yeah, it was a... Très belle game. En vrai, très belle game. Putain, il a été tellement... Non mais gros, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec Little Mac. Hein. Bravo à Mutez quand même. Hein. Bravo à Mutez, mais... C'est quoi ça? Genre, up smash, ça tue pas. En plus, il était à 100%. Tu es à 100%, gros. Faut aller se faire foutre. Au bout d'un moment. Genre. Up smash. Ah, c'était F smash anglais vers le haut. Excusez-moi, j'ai pas vu. Ah, ok, putain, ok. Ok. Non, mais qui l'a envoyé aussi? Qui l'a envoyé à faire des F smash vers le haut? Putain. Les streams ont trop de retard. Attends, je vais actualiser tout. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas actualisé. Ok, il y a une pitch encore. Attends, quoi? Quoi ça? Mais attends. C'est quoi ce jeu, frère? Ice Cream Bar? Yeah, but we saw Apple get the first KO with just Sopo, so... Well, you know, Ice Cover. Comme ça. En chill. Attends. En mode solo popo. Oh, il a une bombe. Alors là, quand t'as la bombe. Cola a perdu contre SkyG. Oh la dinguerie. Cola en loser. Et comment SkyG a gagné avec Incineroar? Je comprends rien à ce jeu. Vraiment, je comprends rien à ce jeu. Et du coup, Raflo est en top 32. Trop bien. Trop bien. Bon, il s'est fait un peu bracketed à perdre contre Dabuz, mais vas-y. Au moins, ça va lui permettre d'être mieux seed pour les prochains tournois. Il a mis une grosse droite à son seed. Mais il y a tout dans ce Ice Climber. Mais c'est... Ok, Nana qui meurt pas. Quoi? Tu crois ce perso? Les privilèges? Les pitch privilèges? Les queen privilèges? La monarchie? C'est quoi ça? Le fer a tué mid stage à 70. Oh! Il l'a eu! Oh, solo popo! OMG. OMG. Oh, ça met bien. OMG. Oh, ça met trop bien. Oh, popo. Oh, il l'a solo bolo. Oh, il l'a solo bolo. Oh, SkyG a battu 3-1 Cola, c'est une dinguerie. Oh putain, oh attendez. Oh non les amis, je suis désolé. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Élégante contre Light. Innovate with this game.
Oh. Alors ça, c'est un match de fou, ça. Et ça, c'est même pas du top 32. Light est trop fort. Pour vous expliquer un peu l'histoire, Light est actuellement un des joueurs les plus en forme récemment. Il a gagné un Major, il a gagné la Momocon. Et en fait, c'est vraiment un joueur de fou. Et le truc, c'est qu'il a pas fait le double down parce que la femme de sa vie l'a trompé. C'est pas une vanne. Hein. Et du coup, il a dû DQ. Genre, il a dû DQ le dernier tournoi. Et ça a été très dur pour lui mentalement. Il l'a dit publiquement. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et il a fait un tweet et tout. Il a expliqué que bah, il se sentait pas bien. Et que bah, c'était compliqué. Et qu'il pouvait pas aller en tournoi. Et là, il revient. Non, mais les amis, on est dans un animé. On est dans un animé. Et du coup, là, il revient. Il revient sur le devant de la scène. Et les gens se disent, alors peut-être, l'animé. Et Elegant fait très peur. Elegant est très mal seed, mais il fait très peur. Donc, dites-vous que tout est possible. Mais Light est pour moi le joueur le plus impressionnant récemment. Genre vraiment, il est trop constant. Tous les derniers tournois qu'il a fait, il a toujours été soit dans le top 8, soit dans le top 3. Enfin vraiment, c'est n'importe quoi. Il a fait deuxième au Summit, il a gagné la Momocon, il a fait top 8 au Genesis. Vraiment, c'est trop trop grave. Et là, on commence très bien cette game. Hein. Alors, Fox sur l'Ultimate, c'est un peu... comment dire? C'est un peu compliqué dans le sens où il y a très peu de gens qui font marcher Fox. Ok, up smash. Fox, c'est un perso qui est un peu boudé par tous les main Fox. Les gens sont en mode, putain, le perso est dur et tout. Mais il y a le père de tous les Fox main, et le père de tous les Fox main, c'est vraiment Light. Puisqu'en fait, il joue vraiment que Fox. C'est un solo Fox. Et c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Et en plus, le tag de Light qui met des cœurs, qui met deux cœurs vides, deux cœurs remplis, c'est... Oh, c'est... On est... Oh, attends, on est dans Naruto, là? C'est quoi cet animé? C'est fou. Ok, dash attack. C'est vraiment très dur, là. C'est vraiment très dur. Il est en train de nous montrer... Qu'est-ce qu'il joue bien pour l'instant? Mais faut pas enterrer les gants, ça. Faut pas enterrer les gants, faire... Oh, comment remonter down smash? Non. On sait un down smash au ledge et cyclone. Fox, c'est vraiment un perso qui meurt tôt. Donc ça va tuer tôt. Hein. Les EB, bah un peu comme Falco. Les EB... Oh, attends. Ok. Il a drop le upper. Donc ça aurait été terrible. Mais par contre, on est even et c'est incroyable le reverse qu'il a fait. Et on attend... C'est quoi ce joueur? Mais c'est quoi ce joueur? Il a attendu, il a Riddler Dodge, il a fait Nair, Cyclone. Alors les amis, vous savez pourquoi on est pour Light? Déjà parce que c'est un joueur de fou, et parce que si Light perd, il est contre Raflo. On n'a pas trop envie en vrai. Non, c'est grave. 1-0. Trop bien joué. Trop bien joué ce qu'a fait Elegant. Et en vrai, il l'a éteint. Genre, y a rien à dire. Parce qu'en plus, Light, il a bien commencé la game et tout. Mais il l'a bossé, quoi. Il l'a réellement bossé. J'ai l'impression que le match-up est chaud. Mais ça enlève rien au fait que les gants est trop fort. Allez, down air. Oh, t'es les gants, c'est... Enfin, il y a eu un bracket assez dur parce que du coup, il a dû jouer contre Tilde. Tilde qui, on rappelle, a éliminé Siski. Siski, c'est la première contre-performance de Siski en vrai. Depuis qu'il va dans des tournois aux US. Oh, le misfire. Oh la chatte. Donc, ok, up smash. Light qui prend cette première stock, mais ouais, comme on l'a vu la game d'avant, faut faire attention. Faut pas crier victoire trop vite. Tellement facile pour Elegant, on a l'impression. Vraiment, il est trop à l'aise dans ses déplacements, même si là, il est en train de prendre la sauce un peu. Ok.
un trop backer. Attends, oh j'ai cru un B en réaction. Ça aurait été fou. Et encore, il trouve ses grabs. Hein. Il les trouve ses grabs. Mais très bon bait. Très bon bait de Light qui a poussé le nerf d'Elegant et qui du coup... Oh permet ça. Oh ouais, non là. Là on commence à être sur une bonne instru. Hein. On commence à être sur une bonne instru pour eux. Pour Light, back air, voilà, et on se colle pas. Il est trop fort. Oh mais gros, c'est quoi ça? C'est DBFZ encore? On est sur DBFZ? Le smash? Mais attends, mais gros, c'est des crackheads! C'est des crackheads, c'est mon Smash Bros! C'est mon Smash Bros! Gros, c'est deux mecs bourrés en sortie de boîte qui s'attrapent avec des 1664 et des Heineken. Putain! Enfin, quel jeu de fou. Ça tue. Ouais. Cyclone de Luigi qui est un move qui sort vraiment vite et qui a des propriétés un peu bizarres, sur ça peut break combo et tout, c'est un peu chelou comme move. Nerf tilt, pas mal. Oh, on suit en réaction. Le temps de réaction de Light, c'est vraiment grave. Très bien suivi. Et encore un Tomahawk. Tomahawk, qu'est-ce que c'est? C'est sauter au-dessus ton adversaire qui va penser que tu vas l'attaquer, du coup il garde son bouclier et au lieu de l'attaquer, bah tu grabes. Ouais, c'est... Backer. Ouais, c'est ouais dans les airs, c'est frame 1, il me semble. Ouais, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça le sujet. En fait, j'ose pas trop parler de frame data parce que la frame data, quand t'es pas sûr à 100%, c'est bizarre d'en parler. Hop, la seule frame data que je connais, c'est celle de Pac-Man. Je suis un geek. Ok, backer. Et backer encore. Oh, mais Misfire. Oh, ça tue pas. Oh, je pense que s'il avait reverse, ouais, c'était du mauvais sens. S'il avait reverse ce smash, il était mort. Là, il est mort. Ok, bien convaincant Light. Très convaincant Light dans cette game. Très très convaincant dans cette game. Je sens que le bug est dedans quoi. Les DFR qui vont jouer après, bah j'espère qu'on aura Gluto quoi. Je pense qu'il y a Gluto pour la qualif en top 32 winner. Gluto, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu en stream de la journée genre. On l'a vraiment pas vu en stream de la journée. Attends, je vais vous dire. Alors, Gluto, il en est où? Est-ce qu'on va le voir en stream? J'ai la stream queue, normalement. Alors, attends, c'est quoi le match de Gluto? Ah, si, après, ok, c'est le prochain match. Et c'est Gluto Anathema. Oh, ça va être un bon match, ça. Oh! Stylé! Stylé! Bah, stylé. Bah, franchement, Bah, bien vu. Bah, écoute. Bien vu, mon ref. Bah, on est ensemble, mon ref. Backer. Trop fort le bug. Top-tilt, on attend. Le double saut. Backer. Oh mais il est trop fort. C'est quoi là? Et le cyclone. Frame 1 qui nous aide du côté de Elegant. Là ce serait un très gros upset. Hein. Si Light perdrait, non seulement ce serait un upset de fou, et moi je serais hyper surpris. Attends. Mais réveille-toi! Micro! Élégante! Mais élégante! Putain! Non, c'est BO5. Hein. BO5. Ok, le smash qui touche pas. Le reverse grab, il est mort. Oh là 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 là, élégante! Élégante! Et pourtant, la deuxième game, j'étais vraiment en mode, ok, Light, la DL, il a compris, c'est vraiment grave. Hein. Moi, si j'étais le CM de Red Bull, je prendrais la photo de Elegant qui boit une Red Bull et je lâcherais un « ça donne des ailes hein. ». Je vous jure, hein. Que fait Red Bull hein. Que fait le CM hein. Que le CM se réveille hein. Parce que là, regarde, en plus, il est avec sa cravate. Non mais vraiment hein. Non il est trop fort. Attends mais il a vraiment mis ses médailles.
Attends, mais putain, il a ses médailles autour du cou parce qu'il a fait deuxième à Smash 4. Oh, mais putain. Mais quel connard. Mais putain, il a mis ses médailles. Il a vraiment mis ses médailles, ce chien. Oh, la légende. Non, c'est trop une légende. C'est vraiment trop une légende. Putain, il a mis... Ce qui, ouais, en fait, il a fait top 8. Il a pas fait deuxième, il a fait top 8 sur Smash 4. Trop fort. Ok. En air. Oh ouais. C'est vraiment bien positionné, hein, Light. Hein. C'était l'angle de Sariko qui était bonne, sinon je pense qu'il était vraiment mort. Mais tu sens l'expérience de matchup. Ok, on bait le cyclone. Oh non, il punit pas, ça va l'énerver. On attend. Upper. Oh, le cyclone. Le cyclone. Oh, le cyclone. Oh, le matchup casse les couilles pour Light. C'est tellement dur pour lui de juggle. Mais bon, ça nerf. Nair up smash, il l'a fait tellement de fois dans sa vie. Il l'a fait tellement souvent, ce nair up smash. Allez, double saut. Double saut encore. Oh, wow. Quoi? Quoi? Ce joueur? Quoi, ce joueur? Et là, il commence à le bait, hein. Là, il commence à le bait, hein. Il commence vraiment à être dedans, hein. Ok. Là, ça tue. Là, ça tue. Hop les. Hop. Hop les. Pouah. Ok, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu, j'étais en train de répondre à Gamer. Quelle vie. Quelle vie. Nair. Oh, il est trop fort. Là, le match des deux, c'est... Elegant, c'est vraiment, c'est un remède contre la dépression. Hein. Oh, c'est... Nair. Oh, Packer. Ça tue pas? Misfire. Mais gros, il a combien de Misfire? Misfire, dites-vous que c'est de la chance. Hein, pour en avoir un. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Ah, c'est 10% de chance, ouais. La chance qu'il a eu. 10% c'est 100%. 2-2. Hein. Et dites-vous que demain... Oh, non, mais... Oh là là, mais le top 32, il y a que des matchs de fou furieux demain. Il y a vraiment que des matchs. Enfin, c'est... Enfin, Light a l'air vraiment... Il a l'air d'être là pour tuer Light. Hein. Ouais, en fait, les 4 matchs, c'était que des no matchs. Ah, oh, ça se donne un fist bump pour la dernière. C'est un set de fou. Hein. Allez. Allez, Light qui prend une grande respiration. Elegant qui essaye de se mettre dedans. Oh, ok, on commence très bien la game pour Light. Oh, on commence très bien la game pour Light. C'est le momentum. Tout est une question de momentum dans ce jeu. Enfin, dans ce match-up. Upper. Ok. On trade le cyclone. Mais attends. Light. Qui es-tu, Light? Light, qui es-tu? Qui est ce mec? C'est qui ce mec? Ok, down air. Connecte pas. Oula. Le Shy. C'est mêlé. Moi, je connais ce jeu. Hein. C'est smash... C'est mêlé. Attends. On attend. Face de l'edge-trap, on a... Oh, on a voulu pas carmer le fer de Luigi. Le bout de la main de Luigi qui a touché avant. Très bon air dodge out. Air un peu en désavantage pour créer de la distance. Et pousser. Oh, très bonne réaction à cette play. Ça tue. Et ouais. Trop, trop bien joué de la part de d'Elegant. En plus, c'était un grab qui était pas évident à trouver. Il se retourne, il le met. Allez, un light. Hein. Du côté de light, il faut pas vraiment se... Faut clairement pas se... Découragé. Tout est possible. Oh, tout est possible. Oh, mais attends. Mais élégante. Élégante. Oh non, ce serait l'upset du tournoi pour l'instant. Ce serait l'upset du tournoi pour l'instant. Mais par contre, ça. Up smash en reverse. Up smash en reverse. Ce serait un upset de fou, mais ce serait mérité. Vu ce que fait élégante dans cette. Vu ce que fait élégante.
Il avait gardé son deuxième saut. Il avait gardé son deuxième saut. Après, n'oubliez pas, hein, Light est le protagoniste de son propre shonen. Hein. Light, il a raté le upper. Oh, il doit péter un plomb. Ok. Ok, très bonne get-up attack. La get-up attack est tellement clutch. Le F-smash qui touche pas. Ça dégoûte. F-smash. Ça tue. Oh. Merci Posca. Oh putain. Oh, smash. La dernière stock. Oh, le 7. Oh, le 7 de fou. Oh, c'est game 5. Oh, c'est game 5. Ça peut aller des deux côtés. Est-ce que Elegant va le faire? Est-ce que Light va tenir? Light est en train de le faire. Après avoir été tellement derrière sur un match-up qui galère de fou furieux. F-smash. On n'est pas loin. On commence à rentrer dans les pourcentages. On punit le cyclone. Maker. Maker qui est contré par le cyclone. Il était mort. Up tilt. Il est mort. Putain de merde. Mets-le, mec. Mets-le cette puissance. Mais oui. Qu'est-ce que c'était serré. Oh, c'était mérité. Qu'est-ce que c'était serré. Oh. Oh, le pop-off de fou. Bah ouais, tu m'étonnes. Il a été tellement... En fait, tu sentais que... Il a sorti toute la frustration du set. Et il s'est pas déconcentré. C'est un champion. Ah, Light, les amis, c'est... Énorme respect à Elegant qui a été monumental. En fait, il a été monumental, mais... Light, c'est la définition d'un vrai champion. C'est un vrai champion. Il s'est pas laissé déconcentrer. Le match-up avait l'air vraiment très dur. Il est mort pas mal de fois. Genre, tu vois, il est mort stock 1 sur une erreur d'exécution. Et je pense que quand tu meurs à ce set-là, enfin, à ce niveau-là d'une erreur d'exécution, c'est dur de rester dedans, tu vois. Et pourtant, il est resté dedans, il s'est reconcentré. Mais par contre, Elegant, c'est incroyable. La régularité d'Elegant, à chaque fois qu'il se déplace en tournoi, il fait de la dinguerie avec son perso. Où il n'y a que lui qui le fait marcher, quoi. Dites-vous que Elegant est seed 30. Elegant, c'est un seed 30. Et c'est un mec qui a fait une run pour l'instant, enfin... C'est grave, quoi. C'est vraiment très grave. Trop fort. Vraiment trop fort. Quel set de fou. Putain. Non mais oui, le chat américain, faut pas regarder. Genre, ils doivent insulter Elegant parce qu'il fait que tornade, sauf qu'en fait, tu dois faire tornade parce que c'est une option de désavantage frame 1. Donc, une option de désavantage frame 1, oui, tu appuies dessus, quoi. Tu appuies sur le bouton. Lorsque t'as une option comme ça, tu vas pas la regarder droit dans les yeux et te dire « Oh bah non, je vais pas faire de tornade parce que Jean-Louis du 17 dans le live a pas envie que j'appuie sur down B. » Bah, si. Mais ouais, Elegant a été trop fort. Et du coup, Elegant affrontera Raflo demain. Oh, Raflo, il va falloir dormir. Raflo, j'espère que t'es dans les DM de Rehan. Ah, est-ce que Rehan... Non, je pense que Rehan va pas... C'est normal, tu vois. Parce qu'en fait, Rehan est un Luigi français, un excellent Luigi. Et c'est le coach de Elegant. En fait, le coach de Elegant est français. Et du coup, le coach de Elegant joue... a déjà joué plein de fois contre Raflo et tout, tu vois. Donc, Raflo connaît bien Luigi. Donc c'est marrant. Comme très, très marrant. Qu'est-ce que c'est beau. Trop fort. Non, c'était trop bien. Et putain, quelle dinguerie Raflo aujourd'hui. Raflo c'est magnifique, hein. Il a fait double upset. Putain, mais les Américains, ils sont vraiment trop durs. Genre, Raflo, 16 ans, va aux États-Unis, bat Send, et il y a un Américain qui dit « He finally does something, bro. » Mais putain, mais... Oh, les gens sont trop méchants, genre. Ils peuvent pas respirer un peu. Ils peuvent pas... Oh, vraiment, les... Vraiment, les Ricains aiment trop ça, genre. Ils aiment trop ça. T'es où? Alors, du coup, il va y avoir Buto là.
Putain, le tournoi a pas de retard, l'organisation est folle. Ouais, l'organisation est vraiment folle, y a pas de retard. Genre, dans un tournoi comme ça, le fait de pas avoir de retard, c'est fou. Attends, du coup, on a une petite pause, est-ce que ça veut dire qu'on a un petit temps pour... OMG ? OMG ? Attends. Putain, mais quel contenu sur cette chaîne ? On répète, hein, grâce à Riversol et Foster, on a du... En fait, on a des vidéos exclusives de la SmashCon, c'est-à-dire que vous les verrez que ici. En fait, c'est des interviews qu'ils font pour nous, pour mon stream. Du coup, c'est trop cool. D'animaux, ils sont tous là, les BMS, messieurs. Attends, mais... Attends, mais gros, ça c'est vraiment une line-up d'enflure, ça. Eh, parce que là, vous les voyez, hein. Là, vous les voyez, les quatre, hein. Vous les voyez en mode souriant et tout. Eh, c'est trop... Eh, c'est trop des enflures. C'est trop des enflures. Ici, le bon franchise, oh, ça putain. Finit leur round de poule et ça... On rappelle, hein, si le micro bug, c'est parce qu'il y a plein d'interférences, donc c'est normal. Prépare pour le round 2 de poule. Les gars, comment on sent ? Tout à l'heure, j'étais un petit peu... J'étais pas très confiant, on va dire. T'es une légende. J'ai fait des matchs de poule assez serrés, alors que c'est la poule. En général, quand t'es en poule, c'est pas censé être très très serré. Donc je me sentais pas bien là, j'ai pu jouer un petit peu. Je me sens un petit peu mieux, donc je pense que ça va le faire en vrai. On va essayer d'aller un petit peu loin. Spoiler, oui, ça va le faire. Oui, ça l'a fait. Moi, perso. Alors attention, je vous spoil ce que va dire Niroz. Moi, je me sens très bien, les matchs étaient bien, mes adversaires étaient vraiment cool. Personnellement, je suis vraiment bien. Là, ce matin, j'ai observé les adversaires que je vais affronter aujourd'hui. J'ai essayé de voir comment ils jouaient, leurs habitudes, leurs points faibles, leurs points forts. Trop Niroz. Et même aujourd'hui, là, quand je suis arrivé à l'avenue, je me suis préparé. Dans les matchups que je vais affronter aujourd'hui, donc en vrai, je suis confiant. Et Niroz qui a vraiment bien joué. Niroz qui a vraiment bien joué, qui a clairement pas démérité, qui a perdu contre un Mario qui a éliminé Shiny Mark en étant last hit, qui a fait un match terrible contre Mistake et tout. Donc en vrai tous les BMS là. Et OG qui perd 3-2 contre un Steve. Alors moi. Mais gros, OG il fait quoi? Enfin, Joël il fait quoi? On peut préparer. Attends, mais... Dans les matchups que je vais affronter aujourd'hui, donc en vrai, je suis confiant. Alors moi un peu préparé, donc on s'est un peu entraîné ce matin, on a regardé un petit peu des VOD des joueurs en question qu'on allait affronter pour avoir un petit peu un aperçu de ce qu'ils sont. Et en plus moi c'est deux joueurs de NES, donc Mathieu que je connais très très bien en France, donc on va réciter ce qu'on connaît quoi, tu vois. Et toi du coup? Moi je suis pervis, je m'assure que vous puissiez jouer correctement, que vous ne manquiez de rien et voilà, je suis là pour superviser et créer du contenu derrière. Il crée du contenu ce mec. Les gars, donc franchement Joël, t'en as créé du contenu sur ce stream, je vais pas te mentir, t'as été un très bon créateur de contenu. Du coup c'est Étoile qui est en train de restreamer avec ses viewers, est-ce que vous avez un message pour toutes les personnes qui sont en train de regarder sur le stream d'Étoile? Oh non, j'ai très peur, j'ai très très peur. Non, j'ai très très peur. Oh non. Merci du soutien parce que non Raflo, je t'ai connu plus piquant. Tu vois beaucoup de messages, même si c'est pas terminé là. Même si c'est pas encore terminé, il y a beaucoup de gens qui soutiennent, rien qu'en dessous des tweets, même via Twitter en fait, beaucoup, même les streams, les restreams, etc. Donc merci beaucoup c'est pour nous. Le soutien, on va essayer de se donner à fond pour faire le mieux possible quoi. C'est nous. Black Mafia comme BMS. C'est un Pokémon, JP, je te jure que c'est un Pokémon. Genre c'est un Pokémon, vraiment, tu le sors d'une Pokéball. Je te jure que tu le sors d'une Pokéball, et bah... Exactement, Black Mafia comme BMS, il est là, il a raison. Continue, dites à vos potes de regarder les tournois, c'est comme ça que ça marche, donc voilà, faites tourner les... Ouais, merci Étoile, faites tourner les streams, continuez à faire ce que vous faites. Ah, ils sont trop timides. Des légendes. Non, ils sont trop forts, vraiment. Merci à Foster. Non mais c'est trop du contenu, je vous jure, c'est l'avenir de faire ça. Faire du contenu froid comme ça, entre les sets, du coup c'est des vidéos qui sont que dispo pour moi. C'est trop l'avenir, je trouve que c'est trop cool. Du coup ça donne un peu les insights des tournois. Et attends, c'est quoi ça? Alors il faut pas faire énormément de bruit, on est ici à côté de Recharge Zone, l'endroit sur lequel les joueurs peuvent se reposer. Alors je pense toi Étoile, tu connais bien cette zone, parce que toi lorsque tu vas en tournoi et que tu affrontes quelqu'un, lorsque tu le bats, tu l'envoies pas en loser bracket, mais tu l'envoies directement faire la sieste au vu d'à quel point... Oh le bâtard, arrête, Pac-Man c'est hype frère. Pac-Man, c'est chiant mon ref. C'est hype Pac-Man. Allez, prenez soin de vous, on va prendre un petit somme nous aussi. Non mais, non c'est du coup, ça c'est pas du contenu. Genre ça c'est pas du contenu ça. Excusez-moi, ça c'est du contenu. C'est du contenu, Alex qui dit non pipe, t'as de la chance que je vibre et que t'as une structure exceptionnelle Alex.
Alex, t'as de la chance que j'ai saucé tes petits et que j'ai tout donné. Hein. Mais bon, bref. Alex, de toute façon, je t'attrape en FT5 bientôt. Hein. Genre la prochaine fois, je t'attrape. Hein. Tu vas voir. Hein. Mesdames et messieurs, peut-être l'un des derniers matchs de la soirée. On est sur un... UFH te baise. Contente-toi de prendre une stock, mec. Ce sera déjà pas mal. Ok. Gluto, mesdames et messieurs, top 32 winner. On connaît bien. On connaît bien. Gluto connaît bien ce match-up. Il connaît. Il connaît. Il a déjà battu Big Boss. Il a déjà 3-0 Big Boss. Il a déjà 3-0 Zomba au Genesis. C'est un match-up connu. C'est un match-up connu, mais faut pas dormir sur un Anathema. Anathema, c'était un très bon robe. Il me semble qu'il est new-yorkais. Je vais pas dire de conneries. Mais je sais que c'est un robe qui fait des bons résultats en tournoi, qui est souvent présent dans les top 32, dans les top 16. C'est un bon joueur. C'est clairement un bon joueur. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit. OMG, il y a Pac-Man. OMG Pac-Man. Je l'ai vu. Mais ouais. Non mais en fait, on voit bien le gameplay. C'est un button check. En fait, c'est un button check. Ça compte pas là, ils sont juste en train de se chauffer les mains là. Ils sont en train de se chauffer les mains. Donc Gluto qui est en winner side, qui pour l'instant n'a toujours pas perdu de game. Il a l'air de se sentir assez bien. Anathema qui a eu aussi, je pense que pour lui... Attends. J'aimerais bien voir la run d'Anathema, je sais pas contre qui il a joué. Je sais pas si le projected c'était ça. Est-ce que ces deux joueurs devaient absolument s'affronter ou est-ce que Anathema a fait un upset pour venir ici? Alors, regardons un peu la braquette. Oh si, c'est un upset. Anathema a battu Ned. Attends, Ned c'est un upset, non? Ou c'est, ça doit se taper les deux? Parce que Ned c'est un très bon joueur aussi. Joueur de Sephiroth. Ouais, c'était un upset. Un petit upset, mais c'était un upset. Ned qui est seed 28. Ok, donc Anathema qui a battu. Anathema qui a upset Ned. Je pense que Gluto doit être assez content de jouer contre Rob. Je pense qu'il préfère jouer contre Rob. Ou contre Sephi. Allez, qu'est-ce qu'on trouve au début direct? Allez, faut pas drop les combos. Ok. Pas mon ref. Bah ok. Bah écoute. Si tu veux, on fait ça. On se regarde droit dans les yeux et on se dit que c'est ça par contre là. Ok, fais attention au drop de Toupie. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On l'a vu tout à l'heure contre Raflo qui a battu Big Boss, on rappelle. Rob, c'est vraiment un personnage. T'as pas envie de te faire fumer. Ah bah pourtant, c'est quoi ça? Ça existe, ça? Ok. C'est une dinguerie ce qu'il lui a fait. Ok, Anathema qui nous fait un bel petit hop. Très bien joué. Très bien joué. Contre un Rob de ce calibre-là, t'as pas le droit de ricolo comme ça. J'aime beaucoup l'option. Up smash après un... Ok, il est créatif, Gluto, là. Il est créatif, il utilise un peu des... on l'a vu, la petite sorcellerie avec la moto, le up smash comme ça. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose pour l'instant. Tu ressens un peu... Il y a eu de la recherche, hein, Gluto. Il a fait une petite pause de tournoi et après, il est revenu. Après, un petit passage à vide. Bon, passage à vide, c'est pas vraiment ça en Europe, mais... Il a eu une période un peu difficile et là... On est clairement dedans pour Gluto. Allez, faut gagner. Faut se mettre en confiance. C'est toujours important de gagner la game 1 parce qu'ensuite ça veut dire que tu... s'il y a game 5, let's go, tu vas pouvoir avoir le choix de la map. Upper, waft, et on utilise ces paix. On les utilise, avant on les utilisait pas, on avait peur. Avant on attendait, maintenant on est proactif dans le gameplay, on est proactif, on joue. Clairement on joue, upper, up tilt, upper, 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 mais il cogne. Qu'est-ce qu'il cogne? Il cogne de ouf! C'est une dinguerie ce qu'il leur fait! Downer? Mais attends, mais comment. Il est cuit? Non, oh très bon! Ça c'est un bon gyro en désavantage, sinon ça aurait été compliqué. Ah, il a voulu champ, ça n'a pas été le cas. Upper, up tilt, ça connecte pas. Ça connecte pas ce upper. Heureusement, on arrive en moto, en Y. En chill. Upper en sortie. Allez, comment trouver une solution? Backer encore! Très bien, Space. Un peu sus. Hop.
Hop là. 1-0. J'ai rien à dire, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de cris, C'est juste... C'est une démonstration. C'est parfait. Juste parfait ce qu'on est en train de voir pour l'instant. Mais la DI était un peu sus, quoi. La DI, elle est un peu vent electrical, je vais pas vous mentir. Genre, j'ai trouvé ça un peu sus, mais vas-y. On va rien dire. Alors, où est-ce qu'on en est? On va sur destination finale, pas de plateforme. Un peu... Alors, c'est une map qui, je pense, plaît pas de ouf à Gluto. Parce que c'est une map où il va pas pouvoir extendre ses combos avec les resets de plateforme. Et vous voyez un très bon choix de Gluto sur le skin. Alors, vous vous dites, mais pourquoi Gluto prend ce skin? C'est parce qu'en fait, c'est la même couleur que DF. C'est pour se fondre dans le décor et c'est pas une vanne. C'est vraiment pas une vanne. C'est... C'est vraiment... C'est... Super. On aurait pu attendre... Oh, et on grabe encore. Hein. Intro. Attends, de bon spacing. Qu'est-ce qu'on... On est malin, putain. On est malin pour l'instant. Du côté de Gluto. Monumental. Hop là, ça joue bien. Oh. Des deux côtés, ça joue bien. Anathema qui s'en sort vraiment bien. Il faut savoir que Gluto joue très bien le match-up Rob. Je vous dis, il a vraiment des wins sur... incroyable. Il a quand même un 3-0 sec sur Zomba. Il a une destruction au Genesis de Big Boss. Genre vraiment, c'est... un très bon joueur contre Rob. Oh, le match! Quoi? Quoi, smash? Oh, il a voulu. Il a pas voulu le grab. Upper encore. On a un mid-waft. Hein. Il est trop en place du tout sur ses combos, je trouve. Je trouve qu'il drop vraiment pas de combos. Il drop vraiment pas de combos, c'est trop grave. Oh, et encore... Non, c'est... Trop grave. Oh! Dommage, il est mort. Dommage, mais par contre, je m'attendais vraiment à un falling upper waft. Je sais pas si ça aurait tué à ce pourcentage. Enfin, ça aurait connecté, parce que oui, ça tue. Ok. Oh, attention. Oh, c'est dangereux, Rob, comme ça. C'est dangereux, Rob. Il a bien attendu. Il s'en est sorti, Gluto. Connaissance de match-up. J'ai pas l'impression... Oh! Attends, mais Anathema? Anathema qui remonte? Passe de fou? Et tout le monde fait peur dans ce tournoi. Et ça fait flipper ces phases d'avantage d'Anathema. Oh, par contre, ce side B qui était un peu piffé. Backer, ouais. Le backer de Rob est assez safe, mais là, il était pas safe. Surtout avec un temps de réaction comme celui de Gluto. Il y a directement backer. Oh oui, oh oui, oh oui, mais quoi, mais quoi? Mais il joue avec son cul. Ok, pff. Excusez-moi. Oh, ça aurait été grave. Oh, si ça avait connecté, c'était une singerie qu'il lui a fait. Il a joué. Quoi, Trump? Trump Nair? Non, il est trop en place. Il est trop en place, Gluto, aujourd'hui. Il a bien mangé, j'ai l'impression. Dash attaque. Presque un 2 stock. Très bon upper pour Anathema, sinon c'était la mort. Downer à ce pourcentage, et surtout, aussi proche de la blast zone, ça tue. Enfin, ça joue. Hein. Là, ça joue. Hein. Côté de Gluto, je te jure, ça joue. Hein. C'est bien patient. C'est vraiment bien patient. On fait pas d'overextend, on fait pas de conneries. Down tilt encore. Le petit. Non mais gros. Tout est dans la micro-optimisation. Il est trop fort. Incroyable. C'est incroyable. Il est pixel. Il joue vraiment trop bien. Là, c'est une démonstration. C'est du Smash Bros. C'est vraiment du Smash Bros. DI sus. DI assez sus. Mais quand même, ce que fait Gluto depuis le début là. Définition de Smash Bros. Définition de... C'est un véritable plaisir. On est en train de vivre, tu vois. Genre des fois on vit pas. Là on vit. Là on joue. On cogne. On fait de la... On fait tout, tu vois. On fait tout. On fait tout ce qu'on a envie de faire. Trop beau. Trop beau. Il faut continuer. 2-0. 2-0. Et ouais, hein. Et malin d'avoir banni. Je pense que Gluto, c'est malin d'avoir banni Smashville. Enfin, d'avoir banni DF. Parce que
Dites-vous que le fait qu'il réussisse à deux stocks Anathema sur cette map, c'est trop huge dans le BO. Parce que sur BF, ça va être beaucoup plus facile pour lui, je pense. Top tilt. Oh, dommage. Allez, Luto, très propre hein, pour l'instant. Une très bonne copie. Et ce serait bien de gagner tout de suite parce que du coup, ça ferait moins de matchs. Là, il pourrait aller se reposer pour demain pour le top 32. En fait, être qualifié top 32 winner, je vous jure, c'est trop important parce que... Surtout si tu fais pas trop de games, ça veut dire qu'il peut se poser, aller manger avec ses potes, jouer un peu, préparer ses matchs de demain, genre c'est... Surtout que là, s'il gagne, logiquement, il est contre Cosmos. Après, faut que Cosmos gagne son match. Donc, il faudrait gagner. Il faut gagner. Tu peux expliquer pourquoi les maps sont importantes, s'il te plaît? En gros, chaque map, par rapport au perso que tu joues, va avoir un impact parce que les maps ont des setups de plateformes différentes. T'as des maps où tu peux tuer plus facilement sur les côtés ou plus facilement sur le haut, donc t'as des persos qui vont être avantagés par ça. Attends, mais... Gluto, il a mis la... Gluto a mis une baffe à une mouche qui passait devant lui et il a upper après. Ça, c'est un move de fou, ça. Il a tué la mouche et ensuite, il a tué... Oh, il m'a mis trop bien. C'était exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Upper. Nair. Upper. Upper. Up. Oh, heureusement qu'il a tech. Anathema, sinon c'était terrible pour le joueur américain. Ça aurait été bien pour nous, quand même. Ça aurait été bien pour nous. Allez, faut faire attention au laser. Les bonnes dash attaque. Qu'est-ce que ça joue bien. Qu'est-ce que ça joue bien chez Gluto. Upper, il est mort. Bah oui. Bah oui. Ah oui. Non, 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 là c'est... Là, il faudrait presque faire le top 32 aujourd'hui, je vous jure. Je vous jure, il est en feu. Il faudrait faire le top 32 maintenant. Vous voulez pas... J'appelle Gamer. J'ai les droits, ok. J'appelle Gamer. Qu'on fasse le top 32 tout de suite. Qu'on fasse le top 32 tout de suite. Il est trop chaud. Il est trop chaud, ce mec. Oh, ça va être chaud. Il est mort. Oh, mais il est trop fort aujourd'hui. Mais Anathema qui... En fait, le truc qui est fou, c'est qu'Anathema joue pas mal. Genre, vraiment. Anathema applique bien le match-up. Il est pas dégueu. Mais c'est juste que Gluto rate quasiment rien. Depuis le début, à chaque fois qu'il gagne le neutral, il lui met la patate. Ok, le backer qui connecte pas. Up smash. Regarde, encore optimal. Backer. Et... Non mais là, les Américains, ils doivent être choqués. Là. Non, là, je suis choqué. Gluto qualifié. On le retrouve demain à 18h. Non mais là... Là, c'est... Là, c'est... Là, c'est grave. Là, c'est vraiment très, très grave. Par contre, j'avoue que... Par contre, c'est... La DI... La DI a été très sus, là. Dans les 3 games, on était quand même très, très suspect sur la DI. Mais... Putain, il était trop fort. Trop fort. Du coup, on va arriver doucement à la fin. Hein. On va arriver doucement à la fin. Et... Normalement, la... Ah bah, regardez. J'allais vous dire, on sait pas qui va affronter demain, vers 18h, Gluto. Mais en fait, si on sait, ça va sûrement être Cosmos, qui est ici. Cosmos qui est sur le point de gagner contre Syrup. Cosmos, ça fait peur. Parce qu'en fait, Cosmos, c'est un joueur qui flop beaucoup récemment, mais quand il est dans la zone et quand il est bien dans son tournoi, il fait trop peur. C'est... Vraiment, je pense que... ouais. Cosmos, je pense que c'est chaud, tu vois. C'est faisable. C'est clairement faisable. Mais c'est un très bon joueur. C'est vraiment un très très bon joueur. Donc, curieux. Curieux de voir ce qui va se passer. Je pense que ça va être un très beau set. La dernière fois qu'il s'était affronté, c'était au Genesis 8. Gluto l'avait affronté et l'avait remporté 3-2. Donc, bon, assez serré, tu vois. Assez serré. Attends, mais quoi? Mais gros, mais Riversoul... Je remercie encore, hein. En attendant, entre les sets, j'ai Riversoul GG et Foster qui me font du contenu froid. C'est-à-dire qu'en fait, ils me font des vidéos à montrer à mon stream, des coulisses, etc. quoi. Et en fait, on a des coulisses de la SmashCon et depuis tout à l'heure, ils me mettent du contenu. Mais gros, on mange trop. On mange trop. Attends. Attends, mais on mange trop. Parce que dites-vous que là, il se passe rien. C'est-à-dire que c'est soit on met de la pub, soit on regarde ça. Et c'est du contenu de fou.
Yo, on est de retour les gars, tranquille évidemment à la SmashCon. Vous pouvez me voir ici avec le petit Woody, commence à faire frais. Le thé glacé, thé noir classique, hein, McDo, attends, cherche pas, bref. Y'a un concert ? Mais à la SmashCon, y'a des trucs marrants, c'est qu'on vous a déjà dit, y'a plein d'activités qui pop un peu de nulle part, notamment un concert actuellement en train de se passer. Alors là, y'a pas beaucoup de monde, tout à l'heure c'était la fête, y'avait des gens qui dansaient devant, c'était le bordel. En tous les cas, ils n'ont pas lâché, ils ont fait plusieurs concerts sur la scène principale et on peut les voir ici performer à l'entrée de la SmashCon. Somme toute, un événement plein de surprises, quoi. Non mais j'aime trop. Je me croirais vraiment dans... Je me croirais réellement dans C'est pas sorcier. C'est pas smashier, quoi. C'est vraiment C'est pas smash. Ça me termine. Un événement plein de surprises. Regarde pas. Attendez, je regarde, je crois qu'ils m'ont mis une interview de Joël. Attends. Cela ne nous regarde pas. Le tweet de Light, qu'est-ce qu'il a tweet Light? Là, on va arriver à la fin les amis. On va arriver à... Oh putain, attendez, juste avant. Attendez, on regardera les vidéos. Attendez, waouh. Attendez, déjà je regarde juste le tweet de Light. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tweet. Finally beat elegant, I just won SmashCon. Ah ouais. Ah t'es comme ça toi. Ah ouais. D'accord. Ah c'est d'accord, la confiance. Mesdames et messieurs. Oh putain! Quoi? Vous m'aviez menti? Siski a perdu contre Pac-Man. Regalo joue Pac-Man! Mais Regalo il joue Lucas? Mais pourquoi il joue Pac-Man? Il va jouer Pac-Man contre... OMG, il va jouer Pac-Man contre Steve. Oh putain. Venge Smash Bros. Il commène Lucas et Pac-Man. Oh putain, c'est moi contre moi. C'est Minecraft contre moi. Oh putain, j'accumule la data. Oh, en plus, il joue Pac-Man skin blanc. Pac-Man skin blanc, je le joue un peu en ce moment. Je trouve que les brassards sont shiny. Oh putain, Ryu contre Payou. Par contre, le t-shirt, il est tellement cursed. Du coup, Regalo qui est sur une run de fou. Hein. Regalo qui, pour l'instant, a une run. Bon, il affronte Yoni, le meilleur Steve des États-Unis. Même si pour moi, c'est Didi, mais vas-y. Pour moi, le meilleur Steve des États-Unis, c'est Didi, mais bon. En tout cas, voilà. Ok. Bah, il joue Lucas, du coup. Ça fait plaisir. Oh, go, 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 par contre. Oh! Ok, c'est hype. C'est une clim, mais c'est hype. Oh, par contre, Johnny? Bon, c'est Steve. Hein. Si vous connaissez pas Steve, le perso est très fort. Le perso dégoûte un peu les gens en ce moment. Parce que... Bah il est juste tout simplement hyper fort, mais moi je fais partie du club qui pense qu'il y a des choses. Je pense qu'il y a des choses à faire contre Steve, tu vois. Je fais partie de ce club là, il y a des gens qui font pas partie de ce club là. Et moi je fais partie de ce club là, mais ce qu'il est en train de lui faire? Mais c'est qui ce mec? Regalo Kitchin? Ok, on s'en sort très très bien quand même, hein, du coup c'est Regalo pour l'instant. Et en fait, depuis tout à l'heure, ce qui est fort, c'est qu'il le pousse à pas miner. Et il a du mal, hein. Yoni, il a du mal à pousser. Oh, par contre ça. Ok. Là, ça va être bien. Et le fait de tuer, ça le met très très bien parce qu'il va avoir le temps de faire ses outils. Faut oublier, hein. Faut oublier le kill power de Steve. Steve, ça tape trop trop fort. Ok. Oh. Alors là... Ça fait plaisir de voir du Lucas.
Lucas, nous on connaît bien Lucas en France parce qu'on a un Lucas exceptionnel qui s'appelle Nitox. Et voir d'autres Lucas, c'est toujours plaisir. Side B, oh mais catch. Par contre, comparé à Nitox, je trouve qu'il met tellement de back air. Là où Nitox, il joue beaucoup le neutral en faisant des ZR. En faisant des espèces de coups là de liane. Et Regalo qui le joue totalement différemment. Enfin, de toute façon, les amis, moi je fais partie de l'équipe qui aime bien Steve quoi. Genre, le perso me dégoûte quand je joue contre parce que c'est broken. Mais à regarder, je trouve ça marrant. Tu vois, je préfère largement regarder Steve que regarder Sonic. Vert. OMG, OMG, OMG. C'est un serpent? Non, c'est pas un serpent, c'est une liane. C'est une liane. C'est une liane, mais vous connaissez pas, je pense. OMG Regalo? OMG Regalo. OMG. Oh putain. Imaginez. Ah Regalo, les amis. Non, mais c'est... C'est une liane. Oh, c'est pas un serpent. Excusez-moi. Vous avez déjà vu un serpent dans les poches d'un gosse? Vous avez déjà vu? Va être un serpent. OMG le counter pick Enderman. Oh le counter pick Enderman. Il fait mal. Petit R. Comme d'hab, pour vous expliquer un peu Steve. Steve mine des ressources. Et en fait, il mine... Oh, attends, mais c'est trop bien. Il mine des ressources. En fonction des ressources qu'il a, il va pouvoir améliorer ses armes. Et en fonction des armes qu'il a, il va pouvoir faire plus ou moins mal. Et aussi, il peut améliorer son minecart. Vous voyez l'espèce de chariot. Donc, Steve, c'est un perso, lorsqu'il a les ressources, fait trop, trop mal. Le perso est ridicule en termes de damage output. C'est... fait vraiment trop mal. Ok, très bon Zer. Mais Yoni, ouais. Yoni qui a compris. Et qui commence à faire des setups. C'est quoi l'autre match? Ah ouais, hein. Et Regalo, 615. Attends, désolé. Il a pris la stock. Oh bah, putain. Smash Bros! Un stream ici. Hop là. Et un stream là. Smash Bros! Smash Bros! Non, en fait, je voulais juste vous montrer l'autre... En fait, c'était multiplex. Multiplex. Ok. Ok, très bon début de game pour Yoni là. Là, c'est un très bon début de game. Faire. Ça a tué mid stage. Ça a tué mid stage. Attends. 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 Oh, j'aurais eu le démon. Dash attaque. Attends, 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 attends. Et si. Et si. Et si. Et s'il suffisait que d'une étincelle. Et si. Allez, bien shield. Le fer qui est positionné. Le ZR. Side, le side B. Incroyable ce qu'il fait. Il fait depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Regalo. Regalo qui nous régale. Ta gueule. C'est propre. Oh non, non, non. Le petit back air. Ouais. Le petit back air, c'est très dur. Dur de sortir de petit back air parce qu'en plus... Voilà. Le back air de Steve, ça fait trop trop mal et ça a beaucoup de frame active. Donc c'est un back air qui est très très dur. Ça fait mal. Ça fait mal, hein. Putain, alors que Regalouz... Tellement mon rêve que Regalo mettre en tag Regalouz quoi. Imagine. Imagine quoi. Genre. Imagine, il décide de péter un plomb, il décide de s'appeler Regalouz. Ça, ce serait du contenu. Ce serait vraiment du content. Non mais vous comprenez pas, vous mettez. En fait vous mettez des chapeaux au chapeau mais vous détestez être heureux. Vous vous rendez pas compte, enfin vous êtes aigri. Vous êtes aigri alors que moi je suis juste de bonne humeur et heureux de vous caster ça, mais bon bref. Tant pis quoi. Pourquoi donner du bonheur à des gens qui le refusent? C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, pourquoi? Pourquoi vouloir du donner? Pourquoi vouloir vous donner du bonheur la main sur le cœur? Alors que vous en foutez, enfin... Tout. Tant pis. Tant pis quoi. Tant pis, on vit avec. Et on vit avec.
Putain, on se régale. J'aime trop Lucas. Ah, Lucas, c'est pas mal à regarder. Mais on en voit pas souvent. Le perso est sous-représenté, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment sous-représenté, le perso. Et allez, on commence. Il faut reset mental pour Regalo. Après avoir pris assez cher. Il a pris assez cher game 2. Donc, ok. J'aime bien Kalos dans le match-up. Je trouve que c'est un bon choix. En fait, c'est un bon choix pour Steve. Bon, s'il l'a pris, c'est qu'il y a une raison. Mais pour Steve, je trouve ça pas mal downer. J'aurais pu connecter. Bakker. Oh, mais il est trop fort. Gros, il est trop fort. À chaque fois que Yoni overextend, il est mort. Genre, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas de doute, genre. Putain. What the fuck? Incroyable. Bakker. Et un fer. Il joue trop bien, Regalo. Oh, ce serait un gros upset s'il y arrivait. Après, le truc, c'est que... comment trouver? En fait, j'ai l'impression que Regalo, il connaît pas de ouf le match-up. Et il s'adapte au fur et à mesure. En fait, il change. Soit il fait ça, ou soit c'est parce qu'en fait, il change beaucoup sa manière de jouer. Il mix-up beaucoup, mais... c'est hyper intéressant comment il est tout le temps en train de varier ce qu'il fait. Genre, on n'a pas l'impression que c'est le même Lucas que la game 1. Et ouais, et Yoni, depuis tout à l'heure, il setup pas son jeu. Il a du mal à miner, tu vois, il a du mal à mettre les blocs. J'ai l'impression que le matchup est pas facile pour Steve, et ça arrive pas souvent qu'on se dise ça. Oh oui, le back air. Enfin, la back throw. Ça, c'est... Non, mais il joue trop bien. Non, mais oui, en fait, quand je vous ai dit qu'il connaît pas le matchup, j'étais en mode pas parfaitement, tu vois. Mais oui, en fait, de toute façon, pour prendre une game à Yoni, t'es obligé de connaître le matchup, hein. Ok, jab. Oh, ça va être chaud pour remonter. Ok. Mauvais mix-up. Yoni qui déjoue un peu là dans cette action. Ouais, depuis tout à l'heure, il joue tellement bien autour des minecarts. En fait, il n'arrive pas à minecart, Yoni. Genre, le minecart se fait annuler par Regalo. C'est trop grave. Allez, on casse. Et le mix-up, hein. On fait deux coups sur la table de craft. Pour que Yoni se dise, attends, mais il va retaper la table de craft et on arrête. C'est trop fort. Trop propre ce que fait Regalo. On est peut-être à une game s'il le... Ah, par contre, il faut le tuer. Vous savez que Steve, c'est vraiment dur à tuer. Hein. Ok. Ça tue pas. Ouf, oula, le rebond. Oh, Et là. Là, ça peut peut-être être le moment où... Non, ça tue pas. Il n'y a pas assez de rage sur ce Lucas pour tuer avec la off-throw. On essaye de traverser. Allez, faut... Oh, ok. Faut faire vraiment gaffe à Steve. Steve, ça fait très très mal quand il y a du diamant. Et il est en diamant. Upper. Oh là là, comment les gens tirent pour Regalo. Alors là, si Regalo... Et top 32 winners, c'est vraiment l'upset. Hein. Que dites-vous qu'il a une run de fou? Il a battu Siski. Hein. Oh putain. Est-ce qu'il va le faire? Et tout le... Non mais gros, il y a tout le public qui crie Lucas. Oh putain, la hype. Et là, on passe sur le zombie. Faire. Allez. Il faut faire attention au bas pourcentage. Il faut pas oublier, hein. En fait, ce qui fait que Regalo a pris aussi la game 2, enfin la game 3 là, c'est qu'il l'a tué très très tôt avec le back air. Et c'est ce back air qui fait peur, hein. Ça, c'est fou à quel point il le joue. Enfin, la profondeur de Smash, quand même. Il le joue tellement différemment de Nitox. Vraiment, c'est deux Lucas qui sont... C'est totalement opposé, en fait. Tu vois, genre, les deux Lucas, ça marche.
Genre leurs deux playstyles marchent, et pourtant c'est totalement différent. Incroyable. Incroyable. Ouais, par contre là, Yoni qui est en colère. Yoni qui est en colère. Qui est en train de mettre la clim. Il met la clim. Les dernières games, hein, si vous venez d'arriver. Il nous reste, je pense, encore 2-3 sets avant de se dire à demain. Le faire. Et demain, il y aura un stream en deux parties. Je pense que ce sera un stream où je lance, je fais le top 32, je coupe. En fait, je coupe parce qu'il y aura le top 8 de mêlée. Et ensuite, je relance pour Ultimate. Parce que c'est ce qui va se passer. Ok, le ok, alors. Ok, il a bien comeback, hein. C'est toi, Drippy. Il a bien comeback, hein. Ok. Falling Upper. Oh, Falling Upper, ça a trop de hype. Ça a trop de hype. Ok. Et encore un, il contrôle trop bien. Non, non, je vais pas stream le top 8 de mêlée, je connais pas en fait. Genre, je connais pas assez le jeu. Je vais regarder, je pense que je vais regarder mêlée dans mon coin, mais je vais pas casser. Je pense que je vais regarder mêlée quand même. Ok. Side B. Attends, mais Regalo qui comeback tellement bien cette game. Il contrôle tellement bien. Oh! Il a réflect! Il a réflect! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Il a réflect! Y'a plus qu'une stock. Y'a plus qu'une stock. Oh, si Regalo le fait. Si Regalo le fait, c'est la run du tournoi pour l'instant, s'il le fait. Ok, F smash. Ok. Ok, Yoni. Ok, Yoni. Yoni. Oh non. Attention, Steve. Oh, les Steve moments. Oh, les Steve. Oh, le moment de Steve. Oh, les moments de Steve. Oh, les moments de Steve. Ok, F smash dans le shield. On punit les bourreurs. On punit. Ok. Oh, ça dégoûte. Oh, ça dégoûte. Oh, ça dégoûte. Oh, l'interaction. Oh, l'interaction. L'interaction. Oh, est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait? Oh, est-ce qu'il le fait? Non. La DI de fou. La DI de fou de Johnny, hein, parce que sinon il se prenait. Il se prenait le grab. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. La dash attaque. La dash attaque whiff. Qui est pas puni. Oh non. Oh, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur pour Regalo aussi. Oh, s'il le tue pas, il va trop s'en vouloir. S'il perd cette game, il va trop s'en vouloir. Comment le faire? Comment trouver? On stole très bien. Oh, il l'a. Il l'a. La légende. Incroyable. Et le respect d'Yoni, le respect d'Yoni. Hein. Incroyable. Il est trop fort. Il est trop fort avec Luca. Avec Luca. Putain. Incroyable. Mais regarde le public. Oh, le public. Putain. Avec tout le chat. Incroyable. Incroyable. Non mais par contre, qu'est-ce qu'il a bien joué, Regalo. Dinguerie, hein, parce que Yoni... Alors là, c'est un upset de fou. Regalo qui fait la... Pour, en vrai, qui... Pour l'instant, bon, il y a Raflo qui fait une super run aussi, mais en côté loser. Et Regalo, qui est top 32, winner side. Top 32, winner side, le boog. On le retrouvera demain. Et qui affrontera qui? Il affrontera... Attends, j'arrive pas à voir, il affrontera qui? Il affrontera Light. Il affrontera Light demain. Excellent. Quel joueur? Et c'est qui ce... Qui ce mec? Qui est Kendall Dingle Lingleton? Qui a 8? Site 79.
Il upset qui? Il upset Brr. Du coup, upset Jackal. Attends, il joue qui, lui? Il joue qui? Il joue qui, ce mec? Ah, c'est D-Dog! C'est D-Dog! Oh, mais putain, c'est Steve encore. Ok, c'est D-Dog. Ok, je comprenais pas son pseudo. C'est quoi ce pseudo, frère? Ok. Ok, c'est D-Dog. D'accord, c'est D-Dog. Et qui? Ok, c'est Dindy Glinton. Ok, c'est pour ça. Ok, c'est un autre Steve. Ok, je comprenais pas pourquoi c'était ça son pseudo, tu vois. Parce que je le connais, c'est un très bon Steve. C'est un très bon Steve, un américain. Ok, donc c'est pas une surprise, quoi. Pas un random. Non, c'est pas Didi, c'est un autre. Genre, il y a D-Dog, il y a Didi. Là, il y a trop de noms. Non, ok, c'est un autre Steve. Qu'on en est où, là? 2-2 entre... OMG, 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 OMG. OMG. Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. Vous savez le jeu qu'on va regarder là? Là on regarde Smash Bros. C'est mon Smash. C'est mon pinard. Smash Bros. Oh putain. Alors ça. Fatality MKLeo. Là ça se joue ça. On va prendre AJ j'imagine. Après je trouve que contre Falcon, un petit joker. Mais bon bref. Ok. Fatality Leo. Je pense vraiment que Fatality va se faire éteindre. Mais vas-y. Je rêve d'un set de fou. Bon, Léo, le meilleur joueur du monde. Il va présenter. Top 1. Indisputé. Indisputable. Trop fort. Qui, pour moi, ça pourrait se faire détrôner par Spargo. Mais Spargo, qui est en pause de Smash Bros. Actuellement. Qui va pas très bien mentalement et qui voulait prendre une pause. Donc, il est en pause. Donc pour l'instant il est totalement impénétrable par contre. Ok. Je veux pas casse le top 8 de Smash 64. Ok. Pour l'instant Fatality MKLeo. Ok, on est even. On est even pour l'instant, hein. Bon, c'est la première stock. Ouais, non mais arrêtez avec le cast le top 8 de mêlée. En fait, vous pouvez aller voir le il y aura du recast français, je crois, en plus. Et en plus, vous pourrez aller voir le stream officiel. Je vais rien apporter. Genre, je vais apporter aucune plus-value. Je connais pas le jeu. Donc je ne vais pas cast un truc dont je connais pas le jeu. Non. Et Mutase qui vient de perdre contre Steve Onin. Y'a battu Mutase. Ah ouais, je veux pas casse mêlée, je vais juste être en mode oh le up smash de Fox. Putain. Enfin, Léo qui survit. Ok. Ça connecte pas. Oh, c'est trop dur de... C'est trop dur de cheese Léo. Ok, ça trade. Mais c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Allez, hein. Qu'est-ce qu'on peut... Après, vous savez, Falcon, T-Grab, Dash Attack. Ok. Oh, Il a voulu... Je te jure qu'il a voulu le genou. Ça aurait été gagné. Il a voulu ni... Très bon, mais attends. Mais... Il est fort, hein, ce mec, hein. Ce maire, il est fort, hein. Je pense qu'il va péter cette année, hein. Il va vraiment péter cette année, hein. Le Boog, là, non, il joue bien. Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros.
Oui, c'est lui. C'est Smash. C'est le meilleur jeu qui existe. Il n'existe pas de meilleur jeu. Continue. Ok, oh putain, il s'est retourné. Ok, dash attack, on grabe pas. Oh, fatality, on grabe, upper. Ok, foresight. Comment c'est possible de pas aimer Falcon? Comment c'est possible? Smash. Bros. Bros. C'est Smash Bros. C'est ça. Je vais prendre un truc à boire. Absolutely. Fatality gonna go ahead and take game one versus MKLeo, but I think we had another set earlier where MKLeo lost game one. Right? Oh, I yeah. Think so. Don't let it be you though, Fatality. Don't let it be you. Don't let it be you, Fatality. We'll see how game number two goes. Of course, what makes Leo so strong is the adaptation, right? We'll see how it goes through in this set. Smash Bros. He actually did get the switch too. That was so crazy. The commitment from Fatality. Est-ce que vous vous doutez, vous savez quel jeu on regarde là? Moi je sais pas, vous savez que c'est limite une insulte à ce set que je suis obligé de mettre la catégorie de stream sur Twitch. Mettre la catégorie de Twitch sur stream, enfin mettre la catégorie de jeu sur Twitch, c'est presque une insulte. Tellement on sait quel jeu on regarde. Attends. Attends. Prends pas compte. Putain. Ok, upper. Est-ce que... Non mais par contre, moi je vous dis, le pourcentage de chance que Fatality gagne ce set est de 0,2%. Et je suis très sérieux. Je suis vraiment très sérieux. Mais j'y crois. J'y crois. Mais je vous jure que vraiment le pourcentage qui gagne ce set, il est trop. Sonic, ça a perdu ? Oh non, putain. C'est trop dommage. Putain. Chier. Alexa. Oh ! We got down air for down. Si. Non mais vous savez qu'en plus j'aime trop Sonic parce que c'est grave un bon gars. En fait c'est un super pote de Gluto et c'est un mec vraiment... C'est un gars vraiment trop cool. Juste vas-y, son perso on dort mais il est trop fort au jeu. En fait c'est toujours la même chose, c'est frustrant de voir des persos défensifs. Mais si tu te concentres vraiment sur les interactions et tout, Sonic est trop fort à Smash Bros. Genre c'est vraiment... Il est trop fort à Smash Bros. Genre c'est... Donc je suis un peu surpris. Je suis vraiment surpris qu'il se fasse upset. C'est pas un mec qui se fait upset, Sonic. Bon, c'est un upset de fou. Hein. Je crois qu'il était 6 pour faire top 8. Hein. Pour faire top 8. Il joue Sonic. Sonic, du coup. Non mais si Fatality gagne, je sais pas ce que je fais. Mais là, pour l'instant, Léo qui s'en sort très bien, ouais. Nair, ça va être compliqué de prendre cette stock. Ok, up tilt. Ok, un désavantage un peu sus. F tilt. Oh les combos. Up B. Ouais bah. Oh là là, Léo, t'en as pas ras le bol. Léo, tu peux pas nous donner un peu de bonheur? Ok. Non, abuse. Abuse un peu. Oh, jab. Enfin, dash dance into down air. Excusez-moi, je suis fatigué. Ça fait combien de temps que je caste solo là? Parce que du coup, demain on aura des duo casters. Et je crois qu'aujourd'hui TPK était pas dispo et Zab dort. Oh! Down air, alors peut-être. Ça fait 7 heures. Ça fait 7 heures que je suis en slip. Quelle vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. J'ai pas vu le temps passer. Alors peut-être. J'y crois. Moi je fais partie du train de l'hype. Non, il va down air, ça va être chiant. Ok. J'y crois. Est-ce que vous êtes dans le train? Moi je suis dans le train. Je suis dedans.
eventually you have to wonder when is Leo gonna get the read for the up B that Oh, je suis en train. Un jour de plus. Il est pas drôle. Il est trop fort au jeu. Il est trop fort à ce jeu, mec. Son problème, c'est qu'il est trop fort à ce jeu. Il veut pas nous laisser du buzz. Il est trop fort à ce jeu vidéo. Je vous jure. Trop fort. Bravo. Que dire? Vous vous rendez compte que ce mec arrive à nous dégoûter tellement il est fort? Que dire? Donc c'est bon. Il a décidé de passer à 15% de sa puissance et de sortir le camion. On sort le camion du garage. Bah GG Fatality, hein, c'était une belle game en vrai. Fait plaisir, j'ai beaucoup aimé, tu t'es bien battu. OMG. Comment? Moi vas-y Bidette, ça me fait dormir, mais... Sa Bidette est tellement belle. Il y a des trucs. Il y a des mouvements. Et puis bon... Comment je parle? Ouais, c'est vrai qu'il joue, bidette mal. Il joue bidette, mec. Ok. Jab. Oh, par contre, il s'en sort bien, Fatality. Hein. En fait, je dis ça bidette parce que moi, je joue bidette skin de meuf. Et c'est pour ça. Et vu que je suis égoïste et égocentré. Ok. Order. Et bah, je dis tout le temps une bidette. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'aussi, quand je pense à Bidette, je pense à Mobilette! OMG. J'ai dit égocentré au lieu de dire égocentrique, je suis chaud en vrai. Je suis chaud. Streamer culture générale, by the way. Ok, nerf. Ah ouais, en fait, je pense à Mobilette. B? Oh, attends. OMG. Mais le problème, c'est que j'arrive plus à croire. Même quand il y a du leads, j'arrive plus. Je comprends pas. Je suis plus dans... Il a pas l'air au max, Léo? Non, s'il vous plaît, arrêtez de me... La dernière fois, quelqu'un m'a dit, il a pas l'air au max, Léo. C'est quand il s'était fait 3-0 par Prodigy au Frostbite. Et on se souvient comment ça s'est passé. Donc dire il a pas l'Aeromax Léo à la troisième game. Vous n'apprenez pas. Le problème c'est que vous n'apprenez pas. Ce mec est un boss de Dark Souls. Ce mec c'est Margit. Tu penses le tuer une fois, il revient 25 heures de jeu après pour te baiser ta mère. C'est ça le problème. Il est invincible ce mec. Je vous jure, Smash c'est trop facile pour lui, regarde ce qu'il fait! Ça le problème! Que quelqu'un... Léo aime trop ça! Ok, donc alors peut-être, mais non! Je dis alors peut-être parce que j'anime un stream! Je dis alors peut-être parce que je suis créateur de contenu et que mon rêve c'est de créer des sourires. Mais j'y crois pas une seule fois, je vous mens quand je dis alors peut-être. Je suis un menteur, je suis hypocrite. J'ai mon masque de l'hypocrisie, non. Ok, j'ai failli le retirer mon masque de l'hypocrisie parce que j'y croyais. Mais je vous mens parce que même moi j'y crois pas. Je suis pas en train d'y croire. Je me mens. Je suis en train de mentir à ma communauté, on est 10 000 pour regarder du Smash Bros à 3h du matin. Et je suis seul depuis 7h à essayer de me faire rêver.
Mais je vous mens. Parce que je peux pas y croire, il est trop fort. Allez, prends Joker, s'il te plaît, prends Joker. Donne-nous un peu. Donne-nous un peu, donne-nous un peu. Allez, donne-nous. Sors-nous Pac-Man, mec. Pac-Man Falcon, c'est très fort pour Pac-Man. Sors-nous Pac-Man, mec. Prends pas compte. Les amis, je vous jure, c'est son Pac-Man. Les amis, je vous jure, c'est son pack. Et vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte que là, tu vas sur PS2, tu prends Pac-Man, c'est imperdable. C'est imperdable. C'est imperdable. Non, les gars, non, non, je suis très sérieux. Vous savez, c'est quoi son play? Les amis, c'est la Isabelle de MKLeo. C'est Isabelle contre Falcon. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte que c'est ça, Isabelle. Putain. Oh, vas-y. Ok. Bon, allez, c'est encore possible. Fatality qui nous a montré une belle game, c'est possible. On va pas se dire. Faut pas vendre la peau de l'ours. Tout est possible. Tout est possible. Vous vous rendez pas compte? Je te jure, j'y crois pas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comme j'y crois pas. Je vous jure, c'est une dinguerie, je sais pas. Léo m'a tout donné, Léo m'a tout enlevé. Oh mais il est trop fort. Oh là là, c'est comme si j'étais futur et que... Vous savez qu'en futur, il a pleuré quand il mangeait du poulet. Ah là, je vous jure que j'ai envie de pleurer quand je vois ce Smash Bros. J'ai envie de pleurer, il est tellement propre. Il est tellement propre, ce mec. Je vous jure, c'est... Il y a tout dans ce joueur, il y a tout. Il y a de la précision, il y a des mouvements, il y a du spacing. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est donc ça. Est-ce que c'est donc ça? Je vous jure, il perd tout le temps la game 1 comme s'il avait la flemme d'appuyer sur sa manette. Et comme si il lui fallait 6 minutes pour se dire « Oh putain, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, je suis payé pour jouer à Smash Bros. C'est vrai qu'en fait, mon sponsor, c'est T1. Donc si je perds, c'est quand même bizarre. Donc vas-y, je vais quand même me mettre à jouer. » Putain. Quoi, ce mec? Et le pire, c'est que vous vous dites « Mais est-ce que Falcon a déjà joué à Smash Bros ?» Vous devez vous dire ça si vous avez jamais regardé Smash. Et si vous venez de découvrir ce jeu, ça me fait plaisir de vous accueillir. Mais le pire, c'est que Fatality est un joueur de fou furieux. C'est ça le problème. Fatality est un... est le meilleur joueur. Putain. Putain, Léo, sors-nous Joker, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, upper. Ok. Ok. Ça le problème, c'est qu'il est trop fort, Fatality. Mais Léo... Ouais, c'est un joueur de Furia. Ah. Furia, on se retrouvera sur Rocket League, Furia. On se retrouvera sur Rocket League. Alors, peut-être, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas, je vous le dis. Il est mort à zéro, j'y crois pas. Voilà, je refuse d'y croire. Je refuse de rentrer dans le train pour encore une fois être déçu. Oh, très belle tech, par contre. Attends. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je l'ai déjà vu. Laissez-moi y croire. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. S'il vous plaît. Laissez-moi y croire. Ah, les émotions. Hein. Les émotions de Léo qui était très stressé dans ce set. Très grosses émotions. Hein. Léo qui a beaucoup paniqué. Qui était vraiment très stressé hein, dans ce set. Qui, vraiment le très gros pop-off. Hein, de... Oh, Léo qui... Pff, Léo vraiment qui se sent mieux, là. Je pense que ça a dû être très très dur pour lui. Et les amis, je pense que c'était le dernier set. Hein. Et ça a fini avec... Non, mais c'est tellement bien organisé, la SmashCon. Ça, c'est mon pote Gamer, ça. Hein. Regardez-moi cette organisation, hein. Putain, et vous savez que demain, on aura un clean feed? On m'a promis. Là, on m'a promis. Gamer m'a dit, it will be 100% set up for tomorrow. 100%. 100.
Excusez-moi, mais 100% c'est 100%. Ah, 100% c'est 100%. Donc il a dit 100%. Putain. Putain, alors que on a Justin qui est du staff de la Super Smash Con qui me dit let's go, what a great recast. Il est américain ce mec. Il est grave content du recast. Yeah yeah yeah, let's go. I love, j'adore l'Amérique. Je suis fan des États-Unis d'Amérique. Je pense qu'il a pas regardé une seule seconde, mais il a juste vu les viewers et s'est dit let's go. Non, on est ensemble. On est ensemble, mec. Franchement, on est ensemble. Et en fait, et en plus, ce qui est trop trop cool, c'est qu'il nous, il nous laisse les droits, quoi. Donc on les adore. On les adore. Let's go. Hein. Il a win MKLeo? Ouais, mais c'était chaud. Hein. Franchement, c'était chaud. Hein. Le set. Oh. On n'est pas passé loin pour MKLeo. C'est. Ouais. Hein.